Le 28, Axel Tertrais 76. Pour le 30, Géraldine Charuel pour le CR qui va être donné par d'attente. Et dans 2 minutes suivantes, ce sera le départ donc pour les minimes. 4, 3, 2, 1, top. Allez les filles. Allez UTV. Et voilà, c'est parti donc pour 20 tours de 3 km. Donc, il y aura également des primes en nature en tout 5, au long de votre... 4, 3, 2, 1, top. Et voilà, c'est parti pour 12 tours de 3 km 600 avec à la clé, bien sûr, qui est de savoir qui va inscrire son nom au palmarès de cette épreuve. Fanny Rio, c'est la championne de Finistère. Allez Marine. Cette qui avait disputé la manche finale donc pour la première année. Allez Manon, c'est la bonne, là, faut y aller maintenant là. Allez, accroche-toi, Jade. En cyclisme, accompagné dans son effort de Anne-Emmanuelle Prévost, du team Oxygène Claude-Daniel Porcel. Voilà donc deux concurrentes qui sont, ma foi, en point de mire de la tête du peloton. Ceci à 17 tours de l'arrivée, à 2 tours de la prochaine prime. Quelque peu distancé, mais qui est pour cette rangement en la personne de Héloïse Deltra, de Vissé. C'est bien Jeanne, continue comme ça. Ce petit jeu, c'est Apolline Blond à nouveau du VC Rouen 76. Voilà une concurrente qui n'est Francis, qui n'est certainement pas venu faire du tourisme du côté de Plérin. Sprint sur trois lots au prochain passage. Vous êtes pour l'instant à 7 tours de l'arrivée. Au prochain passage également, ce sera la mi-course. À ce petit jeu. À 14 tours de l'arrivée pour ce 6e passage. Dans 2 tours, à nouveau prime sur la ligne. Dans 2 tours, à nouveau prime sur la ligne. Allez Marine. Vous êtes à votre 6e passage. Vous êtes également à mi-course. À 6 tours de l'arrivée, prime sur 3 concurrentes. Et ceci à 6 tours de l'arrivée. 6 tours de l'arrivée pour vous mesdemoiselles. Toujours sur les encouragements du public sportif de terrain. Avec ici donc maintenant les juniors d'un 19 ans et plus à 11 tours de l'arrivée, à 1 tour de la mi-course. Et dans 2 tours, mesdemoiselles et mesdames, dans 2 tours, à nouveau 20, 10 et 5. J'ai bien dit dans 2 tours. Au prochain passage, 3 lots sur cette épreuve. À 3 tours de l'arrivée maintenant pour la tête de course dans cette catégorie minime cadette. Mesdemoiselles, au prochain passage, à nouveau prime sur 3 contre 1, 10 et 5 sur la tête de course. Vous êtes à 9 tours de l'arrivée. À 9 tours de l'arrivée pour ces concurrentes.
9 tours, 9 boucles de 3 km 600. Voilà donc le programme dans cette seconde partie de cette épreuve en ce qui concerne la catégorie junior dame 19 ans. Bernard. À ce passage ici donc, au dernier tour, vous êtes à 8 tours de l'arrivée. Et dans 2 tours, à nouveau prime sur 3 concurrentes. Voilà, dernier tour pour les mini cadettes qui sont dans ce peloton. Dernier tour pour les mini cadettes qui sont dans ce peloton. Merci de laisser une distance. Maintenant, regarde Marceline, c'est l'arrivée pour cette catégorie mini cadette, c'est l'arrivée. Et aujourd'hui, aux côtés des organisateurs. Et au prochain passage, un nouveau prime sur 3 concurrentes. Là, on est. Bah oui, il y a des cadettes. Lancé ici maintenant. Avec, on en termine ici en minime cadette. À ce passage, il va également avoir l'arrivée des minimes cadettes. Ici, et pour les seniors. Pour les juniors, dames 19 ans et plus. Allez Mariette, allez vas-y Mariette. Maintenant à 7 tours de l'arrivée, au prochain passage pour vous, une nouvelle prime sur 3 concurrents. Vous êtes pour l'instant mini cadette. Arrivée pour les mini cadettes, voilà. Alors que pour les juniors, dames 19 ans et plus, on continue, on y est. À... À 5 tours de l'arrivée ici, pour ce trio maintenant ici, formé de favorites également sur cette épreuve. Tous ces concurrents, bien sûr, à 5 tours de l'arrivée. Voilà, Emmanuel Prévost, sur vos encouragements, vos applaudissements, à 4 tours de l'arrivée. Va-t-elle inscrire son nom au palmarès de cette édition de l'arrivée numéro 10 et 5 sur la tête de course. Allez, mesdames et messieurs, pour le trio de contre-attaque, sur vos encouragements, alors que le peloton va tenir. Allez, Marine, allez, Marine, allez, 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 allez. Franchir la ligne d'arrivée, aura-t-elle des ressources suffisantes pour contenir au dernier pointage 1 minute 11 1 minute 11 au dernier pointage, au précédent passage. Celle-ci aura-t-elle les ressources suffisantes pour contenir la contre-attaque qui était formée du dossard numéro 1 ici, la priorité qui a été repris maintenant et qui forme une quintette, 5 concurrentes pour l'instant à 2 tours de l'arrivée, mesdames, à 2 tours de l'arrivée. Ferme la marche de ce groupe, le relais Vachet, la sociétaire de la Célanester 56, dans le groupe des 5 concurrentes. Question à 1 tour de l'arrivée, dernière boucle. Dernière boucle de 3 km 600 pour la sociétaire finistérienne. Dernière boucle de 3 km 600 avec un écart qui était croissant au fil et à mesure depuis 5 boucles maintenant. Voilà pour les concurrentes à 1 tour de l'arrivée également, mesdames et messieurs. Ici, on ne se pose pas de questions. Ici, avec Marine Louboutin, la sociétaire de l'UC Briochine. Sur allez, cette Marine, allez, allez, allez. Avec le 25 également, on le retrouve, Elodie Rival, de l'US Saint-Herblain, la sociétaire de Loire-Atlantique. Ceci, au prochain passage, ce sera l'arrivée pour vous, mesdames. Au prochain passage, c'est l'arrivée, dernière boucle de 3 km 600. Avec la voiture rouge maintenant qui nous avance, qui annonce l'arrivée de la concurrente qui se fascinant bien sûr, qui a racolé en tête depuis plusieurs boucles de 3 km 600 maintenant, en la personne de Anne-Emmanuel Prévost, la sociétaire du Team Oxygène, qui va pouvoir faire le fait de la victoire. Belle prestation de la finistérienne qui termine en solitaire. Maintenant, il reste la deuxième et troisième place à venir chercher également le maillot. Lorsque les concurrentes vont se présenter, le départ du Grand Prix de la ville de Perrin, le souvenir Daniel Bross, 8e édition, sous d'excellentes conditions climatiques cet après-midi, ici, du côté de Perrin, avec la deuxième place qui se joue ici maintenant. Sous vos encouragements, mesdames et messieurs, tout en gardant le masque, vous pouvez très bien applaudir la deuxième concurrente qui nous rejoint ici maintenant. Sur la deuxième marche du podium. Voilà, par
Marine Louboutin de Lucie Briochine, seconde sur la bonne marche et les podiums. Génial, on regarde bien sa ligne, mesdames, mesdemoiselles. La troisième place est à venir chercher sur ce grand prix de la ville de Perrin. Un final, un sprint de toute beauté. Sous vos encouragements, mesdames et messieurs, c'est l'arrivée pour la troisième place. Côte d'Armor, édition 2020, ici donc pour Alizé Rigaud du CC Moncontour, sa dauphine Éline Roussel de l'EC Castin Pays. Podium scratch pour cette catégorie cadet. Senior, en la personne de la sociétaire de l'UC Briochine, Marine Louboutin. Voilà, félicitations, bravo. Alors, là, la de... Non, mais... Ah ouais, Corona est passé par là, voilà. Laissez-vous le dicton, Annie. Une fleur parmi tant d'autres. Voilà, allez, sous le soleil, sous les éclaircies retrouvées. Pendant ce temps-là, Jackie est toujours bien agrippée au contour pour nous annoncer, dans quelques instants, lorsque les véhicules vont passer devant nous. Jusqu'au bout. En fait, je ne savais pas trop parce que c'était ma deuxième course, donc je suis pas trop réfugiée, je suis pas trop tout, c'était comme ça. C'était la deuxième course de la saison 2020. Oui, c'est ma première année de vélo, donc j'ai pas sorti. Tu pratiquais un autre sport auparavant? Oui, j'ai fait de l'athlétisme pendant 10 ans. Enfin, j'ai fait de la gym avant, j'ai fait de l'athlétisme pendant 10 ans. Parce qu'à la fin, j'ai passé l'année dernière et là, je fais du vélo. Et après ta victoire d'aujourd'hui, la suite de la saison, tu l'entrevois comment? Je sais pas trop encore, parce qu'il y a comme temps, je vais regarder et je vais faire une concours de contre la montre pendant le temps. Tu vas t'habituer au podium. On va l'applaudir pour qu'elle s'habitue au podium. Donc Anne-Emmanuelle Prévost, le team oxygène de Boudal-Museau-Portsal, qui a marqué de son empreinte le déroulement de cette épreuve.